Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation exclusive de La Vieille France by Arsenic Pudding version Farming Simulator 2017. Donc je vais commencer tout bêtement par vous le dire, c'est la dernière création que vous aurez partagée par Arsenic Modding, puisque vous le savez très bien, en tout cas ceux qui suivent un petit peu Facebook, le forum a été fermé une fois encore. La map justement Vieille France, en l'occurrence sur FS15, a été publiée sans son autorisation. Donc résultat des courses, il va partager cette version FS17 comme promis, comme il l'avait dit. Il tient toujours ses promesses, mais ça sera la dernière chose que vous aurez en partage de la part d'Arsenic Modding. Et c'est bien dommage. Bref, on n'est pas là pour polémiquer là-dessus. C'est bien malheureux. On est donc au concessionnaire, comme vous pouvez le constater. Très joli concessionnaire, très belle map. On reconnaît bien la touche Arsenic Modding et on reconnaît bien la version du 15 avec quelques améliorations. On va tout simplement commencer à faire le tour. On va aller, hop, vous vous souvenez, en tournée à gauche dans le corps de ferme principale. On reconnaît bien ces bâtiments. Il y a de quoi ici les semences. Vous avez également les fertilisants. Vous avez quelques hangars, la petite maison qui va bien.
là-bas, même principe, vous avez, je pense que c'est les moutons qu'on doit avoir ici avec, avec les auges là dans cette côte, des abris de ce côté-ci, et normalement vous avez ici encore de quoi récupérer l'eau avec, avec l'espèce de plomb incliné qu'on a là, la petite casquette qui va bien également, pâte arsenic modding. Allez, on fait demi-tour, on continue, on va aller voir hop, au niveau des vaches et des cochons. Là vous avez également des hangars, donc normalement sur le principe quand on appuie sur la touche gauche de la souris, hop, c'est magique, ça s'ouvre, hop, vous avez ici donc les silos, vous videz à l'intérieur donc vos semences ici, et elles sont stockées dans ces vieilles cuves qui font vraiment vieille France. En face également pareil, du stockage, vous plantez devant, vous ouvrez, et donc il y a pas mal de, alors par contre voilà, on va essayer d'ouvrir ça en plein. Pas mal de matériel, le petit aspirateur, le petit cric, tout ce qui va bien là-bas, les belles images, Farmall, Caz, New Holland, Mustang. C'est très très joli, très très détaillé et ça fonctionne très très bien, ça tourne très très bien au niveau de la capture, au niveau FPS. Bref, maintenant c'est vrai qu'avec la config que j'ai, heureusement que ça tourne bien, j'ai envie de dire. Là, la station de lavage, ici encore une fois du stockage, on ira par là-bas après, on va faire le tour. Ici le reste des silos, le petit pont qui va bien, on va essayer de pas se fail tout de suite. Très très belle texture d'eau, regardez ça, c'est magnifique, on voit bien en plus le dessous du véhicule, le reflet, il est magique, franchement c'est très 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 joli. Encore ici du stockage, vous avez de quoi en mettre partout, hein, j'ai envie de dire. De ce côté là on est servi, ici même principe ou même punition, on doit pouvoir ouvrir ici, et pareil on a encore ici de quoi mettre, normalement on a le sigle des patates, donc on doit pouvoir stocker les patates dans cet abri-ci. Hop, on continue, on va aller voir, donc j'ai dit les vaches. Le corps de ferme c'est quand même relativement agrandi. Là-bas je pense que c'est pour vendre la paille, en tout cas stocker la paille. Oh, j'ai tourné un petit peu trop tôt. C'est ici que ça se passe. Et voilà, toujours une très très bonne ambiance, très très belle ambiance Vieille France. Ici donc le silo couvert qui le fait bien. Le tas de pneus. Ici pour récupérer certainement le lisier. Là on doit avoir certainement, je pense, c'est les cochons. Je vous ai pas montré par exemple la map. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc vous avez la map. Donc il n'y a pas le sigle des cochons, il n'y a pas le sigle des vaches, mais bon, voilà, vous pouvez le deviner tout simplement, ça reste, reste relativement simple à découvrir. Donc je pense que là, vous avez les cochons, et de l'autre côté, ici, on aura les vaches, tout bêtement. Voilà, le champ a l'air d'être un petit peu plus grand, et je pense que là-bas, c'est la stabulation. Normalement, c'est ça, on va pouvoir ouvrir la stabulation, ouais. Ça, ça doit être la stabulation des vaches, de toute façon. Je ne dois pas faire d'erreur. À mon avis, regardez ça, vieux bâtiment à l'ancienne, franchement c'est magnifique, j'adore cette ambiance moi Vieille France. Donc je vais démarrer très très prochainement donc la série sur, sur cette map là. Normalement il est prévu, si je dis pas de bêtises, que la map soit de sortie pour le 14 décembre. Ici vous avez donc le fumier, on est au dos de la stabulation et on va filer par là-bas, on va aller prendre direction. Attention à la flotte, impeccable, toujours les jolis petits ponts, toujours les jolis points de vue. Non mais regardez ça, franchement, les points de vue qu'on a, c'est absolument magnifique. Hop, allez, on fait un petit screen qui va bien. Donc on va suivre le chemin, c'est vallonné, juste ce qu'il faut, mais pas trop. Ici, pareil, petit passage un petit peu particulier, on va longer, on va donc aller au moulin, où on pouvait vendre des semences à l'époque. On va aller à côté aussi des abattoirs. Oula, c'est parti comme un calu là. Là, le petit champ qui va bien, ça doit être de la pomme de terre, je pense, oui. Même principe, là, c'est la route qui vient de la ferme, de l'autre côté, et du village également. Vous verrez, il y a une superbe cathédrale. Hop, on va passer devant. Donc ici, c'est le vieux moulin, ils appellent ça le vieux moulin. Vous pouvez vendre des récoltes ici, donc avec le moulin qui est ici. Et ça, on va essayer de voir ça avec la caméra. Voilà, le vieux moulin, il est là. Vous avez les ponts de Martel, abattoir régional. Donc là c'est pareil, vous pouvez donc venir vendre vos cochons, je pense que c'est ça le principe. Ici vous avez un autre petit corps de ferme, voilà, c'est à disposition, il n'y a pas de souci. Ici vous avez donc tout ce qui est un peu scierie avec le bassin pour jeter vos billes de bois, pour jeter également là-bas vos copeaux de bois, voilà, la petite scierie qui va bien, c'est joli, c'est bien fait, c'est nickel, il n'y a pas de fioriture et c'est ça qui est bien aussi. On continue tranquillement direction le BGA, donc avec ces petites routes là gravillonnées avec, avec l'herbe au milieu, vraiment style vieille route. On va passer sur un joli petit pont en pierre. Bon, pour ceux qui connaissent la map, ils reconnaîtront un petit peu le passage, le joli pont en pierre avec la,
avec la grosse cascade. Alors après, au niveau des cascades, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Est-ce que c'est sur FS17 qu'on n'a pas trop le choix? Mais voilà, c'est vrai que par rapport à FS15, j'ai l'impression qu'il y avait plus de flux d'eau. Bon, voilà, petit aperçu de ma part, ou petite information, les petits champs qui vont bien, la route pavée qui va bien également. On va arriver, pour ceux qui connaissent un petit peu, comme je l'ai dit, la map sur la droite, sur le BGA. On roule à fond la caisse. Oh putain, je m'envole. Un coup de patin, il s'arrête tout net là, le vieux pick-up. Donc j'ai pris un vieux pick-up pour faire une présentation d'une vieille carte ou d'une ancienne carte, hein, typé un peu ancien. On arrive au BGA, ça se passe là-bas et franchement vous allez voir les cuves du BGA, elles sont vieillies, elles sont magnifiques. Regardez ça si c'est pas beau. Lisse gaz, mais vraiment en version ancien. Les silos pareil, les silos couverts, c'est pareil, c'est très très joli. Moi j'adore les silos couverts comme ça. Ça habille un peu. Et quoi stocker ici, bah, par exemple votre matériel, le chargeur. Pourquoi pas, on continue tranquillement, normalement, derrière on avait également ici, même principe, ça doit être un point de vente, voilà, vous avez un point de vente encore ici, vous venez ici, vous videz vos céréales là, et franchement c'est absolument magnifique, il n'y a absolument rien à dire, moi j'adore, en tout cas j'adore l'ambiance, maintenant chacun verra midi à sa porte, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour que les portes s'ouvrent automatiquement. Le mode animation map door trigger est intégré à la map, donc elle n'est pas très très lourde, je vais pas dire conneries, donc je vais pas m'avancer sur un chiffre, mais ça fait, je crois qu'elle fait moins de 400 MO, c'est sûr, moins de 300 MO peut-être éventuellement aussi. Ici le petit parc à cheval, voilà, alors ils sont pas en mouvement comme ils étaient sur Einbar, je crois, mais voilà, c'est sympathique, là il y a de quoi pareil, une petite plateforme stockée. On va remonter par ici en attendant, il y a de quoi vendre normalement, c'était le lait ici. Maintenant je ne sais pas s'il est possible de le vendre, j'ai l'impression oui, il y a un trigger. Ici on est pareil, un petit bâtiment, on peut vendre donc les palettes de laine, wool, laine, wall, hein, français, allemand, anglais. Un très joli point de vue là avec la flotte qui coule là, sur ce petit canal là, franchement très joli. On va arriver dans le village qui se trouve, qui se trouve finalement derrière le concessionnaire. Là-haut, il y a le petit château. Franchement, ça fait bien plaisir. Et je vais vous emmener dans un petit coin, là. On va stationner la voiture, toc, sur les places de parking. Il y a un magnifique endroit. Hop, on va y aller. Il y a un magnifique endroit ici. Regardez ce point de vue avec la petite terrasse qui va bien pour boire le petit coup. La vue sur la cathédrale, en tout cas sur le dos de la cathédrale. Le Michel qui est à la pêche. Et franchement, regardez ça, ce point de vue. Avec donc là-bas la possibilité d'acheter de l'engrais. Et normalement je pense qu'aussi vous avez la possibilité d'acheter les palettes d'arbres. Regardez ça, les gens sont accoudés tranquillement sur la map Vieille France. Moi en tout cas j'adore ce petit coin de la map. Bah écoutez, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. On va finir, on va passer là-bas pour revenir à notre point de départ qui était donc le concessionnaire. Comme je vous l'ai dit, la map sera disponible très très prochainement. Tiens, j'avais même pas fait gaffe, là il y a une espèce de sculpture. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué dessus? Non, il n'y a rien de marqué dessus, mais c'est plutôt sympathique. Bravo Damien, la petite sculpture qui va bien là, en espèce de plaqué or, tracteur plaqué or ou tracteur en or. Le petit silo là, la maison en construction toujours dans le coin, le petit champ qui va bien. Donc vous avez deux tracteurs au démarrage, il y a un New Holland, il y a un petit Deutz, il y a la Massey Ferguson, il y a pas mal de matériel. Et donc on revient, c'est ce que je vous disais, à notre point de départ. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation, maintenant peut-être que Arsenic Modding en fera une plus détaillée sur les fonctionnalités éventuellement de la map. En tout cas moi mon rôle était simplement vous la montrer, la faire découvrir. Moi personnellement j'adore, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Et puis il y a donc soit à féliciter, soit à encourager éventuellement pour la suite de ces aventures. Damien Aslias Arsenic Modding. Salut les gars, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça me fera plaisir, liker la page Facebook du Savoyard et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.